Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 3 mai 2024. Vous savez, depuis le temps, pour tous celles et ceux qui me suivent, que moi je termine avec vous le vendredi. Alors aujourd'hui, petite philosophie du matin, mission accomplie. Lorsqu'on a bien travaillé et que l'on en a conscience, eh bien, on est toujours calme et serein. Aujourd'hui, j'ai pigé encore une carte à l'endroit. C'est le jardin et portail. C'est connaître la prospérité, demeurer en sécurité, n'est-ce pas? Et on peut voir sur la carte l'illustre jeune fille tranquille dans un magnifique jardin, n'est-ce pas? Empli de fleurs, de toutes les couleurs. Mais cependant, le portail menant au chemin à l'extérieur du jardin, eh bien, il est verrouillé. Et cette jeune fille porte une clé suspendue à une chaîne autour de son cou. Alors, cette carte à l'endroit, eh bien, elle est vraiment de bon augure, n'est-ce pas? Sur le plan financier, en fait, vous pourriez recevoir, pour certains d'entre vous, beaucoup d'argent ou connaître, eh bien, d'autres plaisirs personnels en ce moment. Mais prenez quand même garde. Le choix de demeurer en sécurité dans ce beau jardin, eh bien, pourrait en fait être motivé par l'habitude ou la peur de l'inconnu. Vous n'osez peut-être pas ouvrir cette porte. La beauté est attirante et elle vaut la peine d'être appréciée. Mais vous ne donnez peut-être pas à votre âme la liberté de vagabonder. Alors, même s'il est bien d'accumuler beaucoup de richesses, n'est-ce pas, il ne faudrait pas qu'elle vous empêche de suivre votre voie karmique ou de vivre votre vérité. Vous avez le choix de changer votre façon de voir les choses, d'élargir votre perspective spirituelle et ainsi d'accéder au monde qui se trouve à l'intérieur de votre portail. Vous avez la clé. Vous avez la clé. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? On vous donne la possibilité d'ouvrir ce portail et de ne pas rester dans cet état. À vous de voir. Vous êtes capitaine de votre navire, je le dis encore une fois, mais c'est la vérité. Vous avez un choix à faire, rester dans cet état, eh bien, sans connaître ce qu'il y a à l'horizon, ou alors sortir de votre zone de confort. Qu'allez-vous choisir aujourd'hui pour certains d'entre vous? Ben, c'est peut-être l'opportunité de réfléchir à tout ça aujourd'hui et ce week-end. Alors, je termine, n'est-ce pas, avec le message de ton âme et aujourd'hui, j'ai pigé, semé sa graine. Pour certains d'entre vous, tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Mais n'aie crainte. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi. Rappelle-toi tes intentions. Ce que tu as, ce que tu veux, ce que tu désires. Semer sa petite graine, eh bien voilà le message de ton âme.
Pour terminer cette semaine, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous souhaite un excellent week-end à toutes et tous. Merci pour votre écoute. Merci bien à tous mes abonnés. On est une belle communauté, ce qui me fait vraiment beaucoup de joie. Et puis, passez un bon week-end dans l'amour inconditionnel, l'empathie, la tolérance, la bienveillance, l'altruisme. C'est tout ça, c'est important, hein, ce sont des valeurs que moi personnellement, mes parents m'ont inculquées. Donc voilà, et puis rire, n'est-ce pas? C'est tellement bon pour les zygomatiques. Allez, je vous souhaite encore un excellent week-end. Et puis on se retrouve dans une prochaine capsule. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous embrasse tout fort. À très vite.